Bonjour tout le monde, nous sommes Yuri et nous sommes bienvenus sur la chaîne Cassette Mike. Sur la chaîne, ça, nous allons répondre à des sujets histoire, actualité avec esport. Pour la première vidéo, nous allons parler de Faustin Wilkins, qui est encore le Wablet de la Gonaf. Dans la date 28 juin 1915, les Américains ont débarqué et ont occupé le pays d'Haïti. Les soldats ont été pris dans le pays juste dans l'année 1934. Parmi eux, il y a un jeune Marines qui est le Faustin Wilkins, qui était jeune Lord pendant l'occupation pour établir la Gonaf. Il n'y a pas de penser que cette histoire-là tape tout en légende. Faustin Wilkins fait dans la ville Pittson, dans l'État de Pennsylvanie, dans l'année 1896. Papa a une origine allemande et maman a une origine française. Le hasard a fait que père qui t'a baptisé là a le même nom avec Faustin Soulo qui est venu empirer le pays d'Haïti. Coïncidence ça, il joue un gros rôle dans l'histoire pour vivre là. Faustin est entré dans le corps Marines et quelques temps après, il est embarqué pour Haïti. Quelques temps après, il finit arrivé à Haïti, il joue un l'ordre pour établir la Gonaf. Il était dit pour aller à une seule condition. Soit il était pendant 3 ans ou bien il ne peut aller du tout. Demande ça, t'es étonné si Béria Lio. Parce que la Gonaf, dans l'époque, est considérée comme une zone pour éviter. Aucun soldat n'a pas d'accord état pour plus que 1 mois. Mais finalement, Sipérieur est arrivé à accepter de demander. La Gonaf, c'est plus gros îlet qui est rattaché au pays d'Haïti. Il mesure 689 km². Dans la colonie, les colons français ont été convertis passer sous l'île. Mais ils n'ont pas quitté aucune trace visible des passages. Jusqu'à 1915, c'est-à-dire dans le commencement de l'occupation, c'était un côté qui était presque vide. Côté noté qu'il y avait seulement quelques villages pêchés. Et puis dans le temps de nous avons deux trois graines cultivateurs. Les Wilkins arrivaient en Sagalé, ils étaient cherchés pour information et explorer Zilea. C'est comme ça qu'ils arrivaient à apprendre que sur la tête du monde, dans le temps de la Gonaf, il y avait une forêt qui était le bois noir. Et là, ils avaient un homme qui était dans Memen qui a dirigé Zilea depuis une trentaine d'années. Contact est établi entre Memen et Marines. Ce qui était plus marqué Memen pendant la rencontre, c'était non Marines, Faustin. Wilkins c'est homonyme ancien l'empire Faustin Soulo qui était dirigé Haïti sous le Faustin Ier de l'année 1849 à 1859. Après une révolution de force impériale en exil, en pile l'histoire te fait quoi que un jour, tu as gagné l'autre empire qui t'a gagné même nom avec qui t'a paraît pour diriger sous le Faustin II. Arrivé Marines dans la Gonaf, te fait quoi que ces prophéties qui t'a réalisé. Une semaine après première rencontre li avec Memen, Wilkins te recevoir une invitation pour aller dans la Koumanboa dans bois noir. L'arrivée, il était étonné de te accueillir dans une ambiance fête. Il n'a pas trop compris ce qui est privé là. Il te mettait le chita sur une chaise, mettait une toile soit jaune sous dol, après ça, une cérémonie vaudou te organisé, côté où te sacré le roi Lagunav sous nos Faustin II. Il racontait la cérémonie comme ça. Il te ferme tourner roi pendant une cérémonie. Moi, je pensais que c'était une simple fête. Quelques temps après, nous devons connaître qu'il reprend pour un ancien roi qui était le Faustin même Jean avec. Coïncidence ça, pas qu'à l'autre bagaille que bonne chance pour moi. Dans le commencement, la situation a été étonné Faustin en pile, mais elle est arrivée par finir habituelle avec. L'histoire-là a commencé à gagner dans le reste du pays. Bria a couru bien vite qu'un jeune sergent de l'armée américaine a dirigé la Gonaf de courant roi. En pile l'histoire, une pile légère dépassé l'autre, a circulé sous pouvoir vaudou de l'Italien. Ou bien trésor caché l'Italien dans la Gonaf. Ça nous cache dans toute histoire, c'est que Faustin était bien joué administrateur et balier. Il était utilisé pour voir l'Italien en tant que roi, bon relation l'Italien avec Memen qui te servait le bras droit, à respect aux populations pour le bien faire le job. Supérieur Lyon à Port-au-Prince était content du travail de gestion Faustin a fait dans la Gonaf. Mais malheureusement, même bonne histoire a eu en fin. Quelques temps avant l'occupation finie, le service militaire Faustin est arrivé dans le bout. Il était obligé de quitter la Gonaf, il était dit au revoir à la population Zilea ensemble avec Timemen. Il n'a pas jamais pu retourner à Haïti par des restes villes. L'arrivée aux États-Unis, il a écrit un livre qui retrace le parcours et l'histoire de vivre. Le livre a été sorti sous le nom The White King of La Gonaf. Le livre a été publié pour une traduction en français et la traduction a connu un grand succès dans la librairie. Faustin Wilkins mourut dans la ville de Brooklyn dans l'année 1945. Elle est enterrée dans le cimetière Arlington dans l'État de Virginie. Wilkins retourne dans quelques étrangers qui sont arrivés comme l'autre facette que Haïti gagne. Il était une société en dehors, il était tout entré là-dedans.
que c'est pour tradition, culture, religion et même organisation, l'été embrasser tout comme pal. Merci à vous-même qui t'es branché vidéo ça. Si vous t'aimez bien et vous t'aimez bien l'autre contenu dans le même genre, vous pouvez abonner à la chaîne et activer la cloche là pour être au courant de tout ce qui passe sur la chaîne.